des armes de qualité, donc voilà, c'est logique. Hein. Voilà, mes prix sont relativement tirés par rapport à la concurrence. Vous allez sur Internet, vous allez chez, sur les sites, vous allez trouver plus cher. Il est vraiment propre celui-là. Ouais. Et celui-là aussi, c'est un 11 mm à poudre noire. Celui-ci, c'est le modèle d'officier. Et ça, c'est le modèle de sous-officier ou de troupe. Je crois que c'est le, si je me rappelle bien, le 73, le 74. Exactement. Voilà, ouais. Les souvenirs sont bons alors. C'est écrit dessus. Voilà. Ah, 1873. Donc, si vous voulez, mon meilleur prix là-dessus, c'est 1000 euros. Ah, c'est justifié quand même, vu l'état. C'est, ouais. Ça fait des sous, enfin, je veux. Ouais. Ça, c'est un calibre 41. D'accord. Ouais. La petite histoire, c'est le. Vous avez peut-être entendu parler, vu le film Billy the Kid. Billy the Kid. Oui. Pat Garrett, c'est le shérif qui a tué Billy the Kid. D'accord. Ouais. Le jour où il a tué Billy the Kid avait ça dans sa poche. Ah, il avait une arme comme celle-ci, d'accord. Oui, oui. Oui, il y a le même modèle. Exactement ce modèle-là, modèle 77, canon court, calibre 41, c'est exactement ce modèle. D'accord, revolver de Billy the Kid. Voilà. C'est beau le colt de la mort, je trouve. Ah, ils sont super propres, ils sont pas piqués, il n'y a pas de traces de rouille, rien. Je sais pas. Quand je vois une arme, ou bien je l'ai acheté pour ma collection, ou bien j'ai trouvé mieux après, ou bien je l'achète selon mes standards à moi, c'est-à-dire que l'arme est belle. La ferraille m'intéresse pas. Ah oui, ouais, parce qu'il y en a, ils sont quand même, le canon il est bien piqué, on voit qu'ils sont attaqués par le. Du coup, le prix est effectivement en proportion. Tu les vois. Moi j'ai tiré une gifle l'année dernière. Bon, bah peut-être à tout à l'heure alors. Merci. Ah ouais, ça c'est quoi comme 11 mm, c'est du 11 mm, voilà. C'est ce que ça tire le 73 là-bas. Ah ouais. Celui-là, 850 euros. Bonjour. Vente restreinte, t'as vu, marqué sur les paquets de. Ah ouais. Ah ouais, les troupes, c'est ce qu'ils donnaient aux militaires. Ah, les clopes, putain, les paquets fermés et tout. Hollandais, 1973. Ça, pareil, on dirait, ouais, c'est un calibre, ah non, 9,4. Ok, d'accord. Gauche, c'est quoi ça? Ça, c'est un à poudre noire, ah, où ouais. Tu mets la mort, c'est d'accord. Ça là. Comme, calibre 30-30, 1400 euros, d'accord. Ça, je pense, il faut une autorisation ou il faut le déclarer. Calibre 10, putain, où est la balle? Ah ouais. Elle a une histoire, celle-ci. Ça, c'est vieux. T'imagines un peu? Tout a été piqué. Ouais. Canon serti avec le bois. C'était du même prix que lui. Il avait donné à faire. Eh ben ça aussi c'est un 73. Il avait donné à faire quand on court. Un armurier de là-bas, un portugais. Et ils l'ont fait en mélangeant. Ça c'est peut-être pas mal. 404. Calibre 11 mm. Je sais pas si c'est 480 euros, 4800, tu vois. Non, si vous avez 4800, je veux bien. Non, c'est 4800. Ah ouais, j'imagine, oui. C'est un 11 mm celui-ci? Ouais. D'accord. Ouais. Il est propre, il n'est pas rouillé, rien, tu vois. Ah, il est en parfait état. Ouais. D'accord. Ça, sera un bon truc pour toi, par rapport à ce que tu recherchais. Les cartouches 113, hein. Ah oui. Les cartouches sans problème. Ah ouais. Il est vraiment pas cher. Hein. Non, le tour. Calibre 380. Ici, ouais. Ça c'est un calibre 380. 600 euros. Il a fait faire là-bas. Il a fait faire les rouées. Non, il a pris son rouet. Ils l'ont
Hallucinant. Démonté. Ouais, ça c'est des cartouches à broche. Oui, fait des non mais comme c'est petit. Oui, des morceaux de l'ancienne, je dis pas si l'on parlait, on fait de perdre. Après, c'est sûr que... 1150 ouais. euros, quelque chose comme ça. Ouais. Mais après la ferme. Celui-là, franchement, pour le prix, il n'est pas piqué, il est flambant. 480 euros, 11 mm. C'est quelle nationalité ça? Non, là, c'est une arme de quelle. C'est un 6 coups, 5 coups? 4, 5 coups? Je dirais peut-être 6, 5 ou 6. 5, ouais, 5 ou 6. Il a eu dans le cul. Hein. Oui. Et c'est vrai qu'il y avait fait un autre truc. Tiens, double. Ouais. Oh putain, la bagnole d'époque pour jouer quand t'étais petit. Dans les années 30. Ça c'est que des balles à broche, sauf celui-là. C'est un genre de bulldog, c'est le fin 380 ou un truc comme ça, celui-là. Bonjour. Messieurs. C'est un quel calibre ça? 380 320 380 Non, 320. Hein. 300 000, ça, je crois. D'accord. Ouais. Ah, bah, c'est le même que j'ai. Ouais. Ah ouais? Vous voulez le voir de plus près? Non. Comme tu veux. Ouais. C'est un 73, ça aussi, non? On dirait. Ah non, le faucheux, 70. 900 euros. 650. Ça, c'est pas mal. Ah ouais. Ça doit tirer du 11 mm, je pense. Bulldog calibre 450, ben, c'est celui qu'on avait vu, tu te rappelles, le 450 sur internet. Ouais, 650 euros. Il y a le chien à l'intérieur. À quoi ça sert ça? Ça en fait, c'est pour sortir tu le sors et c'est pour sortir les douilles. D'accord. Monsieur là-bas, il a la caméra. 1080 euros. Ah ouais. Alors ça, ça doit être un. C'est un Weblay Mark 4. Ah, celui-là est bon aussi. Ça c'est un 73, ouais. 300 euros. Ça c'est pas mal, c'est ce que tu recherchais à peu près. Ah ouais, le problème c'est que on trouve des balles pour ça. Ah ouais, on en trouve. Hein. Ici, il doit en vendre. Et là, c'est normal qu'il tourne le barilé. Ouais. Et ça c'est quoi ça? Calibre 8 mm. Ah 8 mm. Et ça alors, c'est quoi ça? Putain, j'ai du mal à lire. Ah, moi je lis pas. Il n'y a aucun. Il n'y a pas mis de détails. Ça, ça a l'air d'être un peu plus petit que du 11 mm. Ouais. Ouais. Cher. Non, dans tes prix, il y avait celui-là ou celui qu'on avait vu au premier stand. Ouais. C'était l'alarme, ça. Ouais. Un blanc. Mais c'est un truc français. Tiens, encore un. Ah ouais. Ouais, ça me dit quelque chose. Ouais. Bonjour. Bonjour. Je retourne le garage, il y a 3 étages. Là, maintenant, il nous reste ce côté à voir. Oh, pas tout ça. Ouais, pas assez franc. Hein. C'est à réparer. Là t'en as des genres de bulldog. Ouais mais moi je veux pas sans la crosse. T'as qu'à faire. Hein. Celui-là il est pas mal, il est propre. Ah ouais mais il est à broche celui-là, ouais. Ah, ouais. Pas la broche. C'est moins performant avec la broche, c'est ça? Ouais c'est un peu moins. Puis, tu trouves peut-être plus difficilement les cartouches que celle à poudre noire. Ouais. Bonjour. C'est plier le métal pour fabriquer le. Et du coup, ça fait des formes. Mmh. En fait, c'est les couches successives. Ah ouais, on dirait du solide en tout cas. Ouais, c'est carbone,
C'est un signe. Bonjour. Parfait. Ouais, ça c'est radical. Celui-là il fait peur si on te braque dessus. Ah ouais. Non, ça calibre 8 mm. Donc, je sais pas ce qu'ils entendent. Celui-là il est beau je trouve pour le prix aussi. C'était combien? 450. Non, 650. 650 ah ouais, quand même. Non, parce que là, 400, moi, ça me chauffe. Ouais, puis au moins, t'as un bon truc. Ça me t'as chauffe. Un truc costaud. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il a l'air d'être huilé et tout. Ouais. Quand même. Je peux lui demander qu'il démonte le. Ouais.